On est prêt. Ça se passe? Ouais, moi je suis trop chaud. Conférence sur investissement immobilier avec Fauston et Swiss Rock. Ça va être très intéressant, il y aura du beau monde, sympa, on devrait être 150-200. Donc j'ai hâte, hein. On va y aller direct. Et let's go. Depuis ma première conférence que j'ai organisée en mai cette année, j'ai mis pour la première fois de ma vie un costume et j'ai jamais mis des habits aussi confortables que ça. Et j'ai plus à réfléchir comment je m'habille. Je mets un t-shirt blanc ou un t-shirt noir avec un costume, des chaussures blanches ou des chaussures noires. Et c'est ultra confortable, t'es stylé, ça prend 2 secondes, t'as pas besoin de réfléchir et tu perds pas de temps. Partir. Lausanne Gare. J'ai lancé le guidage. Merci gros. J'explique un petit peu. Ouais, ouais. Tout ça. Ouais, ouais, alors la salle elle est sympa, donc de base c'est un espace coworking. Hein. On va au Gotham de la gare Lausanne, on attend 150 et 200, ce sera bien. Et surtout on a des sacrés experts, hein. Dan Amar, donc fondateur de Foxstone, plateforme de crowdfunding immobilier basée à Genève, et Swiss Rock, grosse boîte d'ailleurs, une grosse boîte à Genève, développement immobilier, architecture, courtage immobilier. D'ailleurs Tang Nguyen, qui est aussi cofondateur de Swiss Rock, viendra à ma conférence le 2 novembre à Lausanne comme intervenant pour présenter les opportunités futures du marché immobilier suisse. Parce que oui, il y en a des belles opportunités. Donc ouais, une belle conférence qui s'annonce ce soir. Là, donc ce sera un talk. On va échanger autour du sujet de l'investissement immobilier. Et puis au final, le plus important, c'est notre dénominateur commun à tous, soit la Suisse, peu importe l'activité qu'on a. On est tous convaincus par la Suisse et l'immobilier en Suisse. Et alors lui, il s'est parqué vraiment comme un vaudois. Hein. Ah, je rigole. On arrive maintenant dans la salle. On est très en avance parce qu'on a beaucoup de choses à préparer. Mais j'ai hâte, on va voir tout ça. Let's go. Ce soir, on va entendre 3 entrepreneurs romands qui ont su faire leur place dans le monde de l'immobilier. Cyril Debavier, CEO et cofondateur de Swiss Rock. Dan Amar, CEO et cofondateur de Foxstone. Et Edouard Clair, fondateur d'Invest, une société de conseil et d'investissement immobilier. Voilà, je pense que l'immobilier reste quand même très sûr en Suisse. Conférence terminée, du coup, on est en train de passer là au réseautage. Très intéressant, il y a beaucoup de monde, des gens très intéressants. On doit être entre 150 et 200. Et je pense que la conférence était de qualité. Des intervenants grandioses, hein, comme Cyril Debavier et Dan Amar. Donc voilà, c'est un plaisir en tout cas de passer ce moment avec eux. Je dis pas trop de conneries alors. Bon, bah, tant mieux. Il y en a des choses à dire sur l'immobilier en Suisse. Hein. Les petits fours sont top. Il y a d'autres conférences, moi, volontiers de m'inscrire. Tu avais commencé avec 50 millions, là. Enfin 50 000. J'aurais même voulu commencer avec 50 millions. Je trouvais que la conférence, elle était de grande qualité. Surtout la présentatrice. La présentatrice était excellente dans son activité. On voit qu'il y a beaucoup d'expérience. Vous avez pensé quoi de cette conférence ce soir, vous, de votre côté? Bah, c'est très intéressant pour des personnes qui ne sont pas du tout en fait dans ce domaine-là. Bah, ça donne envie de s'y intéresser et puis d'investir dans l'immobilier. Les sujets étaient pertinents, des vrais conseils pour la vie de tous les jours ont été donnés. Non, j'ai trouvé très intéressant et j'espère en tout cas que ça a plu au public. J'ai beaucoup aimé en fait le regard croisé de 3 personnalités très complémentaires dans l'immobilier. On a vu la vue du développeur, du constructeur, celle de l'investisseur, celle de l'expert immobilier. Et surtout que ça va donner envie au public d'investir dans l'immobilier. Et moi, ça m'a donné aussi envie de voir des vidéos d'Edouard que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Donc, je vais probablement le faire dès ce soir.